cas Sabali. Sabali qui ouvre là-bas pour ce milieu de terrain qui va rentrer dans la surface de réparation. Pas de faute, les Bastiais, ballon en retrait pour la frappe de Maziz. Et le 2-0. Numéro 10, Messin, servi sur un plateau. Il est au but, Franck Magri, Tavares, Romagri. Magri qui va pouvoir centrer pour la tête. Et voilà le but Bastier. Super, Florian Bonner à la 67e minute, 68e. Quand on vous dit que les Bastiais jouent le jeu, quand on vous dit que les Bastiais ne lâchent rien, il était au départ, Florian Bonner, sur son côté droit. Il est rentré vers l'intérieur, il s'est appuyé sur les Bastiais sont bien. Ça la manche pour Franck Magri à l'entrée de la surface. Kevin Chour en retrait. La frappe de Jeannet. Superbe frappe cadrée mais contrôlée par le gardien Ousmane Ba en deux temps. En deux temps parce que la frappe était forte. La frappe était puissante. Il a 25 mètres face à la cage. Et le coup franc pour Metz. Il est joué, dégagé par Caïbou. Attention. Ah oui, attention. Troisième but Messin. Et celui-là, il n'y a rien à faire. Pour nous, il est tombé tout seul. Alors que les Bastiais encore l'attaque avec Florian Bonner. Encore lui. Florian Bonner pour Anton Robic. Oh, il est contre. Les Bastiais encore. Le centre de Caïbou. Ouh là là. Toujours pour Tavares. Tavares, il voulait centrer à personne. La remise, c'est bien. Allez, Kevin Chour pour le second but peut-être. Et le voilà, le second but. Signé Kevin Chour sur une superbe remise de Félix Thomy. Pour cette première minute chez les pros, il est passeur décisif, Félix Thomy. Il est aux abords de la surface. Il y a du stress, il y a de l'angoisse. Et ça y est, c'est fini. Il ne laisse pas le jeu se poursuivre.